Fils du réalisateur de télévision Yannick Andréi, il commence sa carrière de comédien en 1978, chez Yves Boisset et Michel Deville. En 1980, il joue un des premiers rôles de diva de Jean-Jacques Benex, celui d'un jeune postier pourchassé par des gangsters. Il continue ensuite à jouer en Italie pendant 3 ans, et en France, et tourne en 1986 un long métrage, Paris Minuit, où son père joue le patron de la PJ, tout en continuant à jouer au théâtre, à la télévision et au cinéma. Frédéric Andréi passe aussi à la réalisation en 1983 avec des courts-métrages et en 1986 avec son premier long-métrage, Paris Minuit. De 1991 à 2006, il réalise des documentaires, environ 150, dont beaucoup ont été diffusés dans l'émission Faut pas rêver, d'autres notamment pour Envoyé spécial. En 1997, il devient producteur en créant 1723e production avec Isabelle Texier. Il revient au cinéma en 2008 avec son deuxième long diffusé, par suite d'un arrêt de travail, avec Charles Berling et Patrick Timsit. En 2014, il sort son premier roman chez Albin Michel, Riche à en mourir.